Je vois, voilà, l'immeuble qui est complètement embrasé. Je me dis que c'est pas un feu classique. Il faut que je prenne des décisions rapidement. Et il me crie au sauvetage. J'attrape par l'épaule, je lui dis t'as pas intérêt à tomber. On les sauve, on redescend, on monte, on les sauve, on redescend. Ça fait un an et pour autant, c'est toujours aussi difficile. Et merci d'être tous rentrés. Ce soir-là, clairement, la devise, elle a pris tout son sens. Donc si j'écoute, quelle est votre urgence? Au 17 bis rue Erlanger, dans le 16e à Paris, il y a le feu. Je vends la porte de mon voisin. Des flammes sur 4 étages. Droite, la lumière, allez, j'ai la lumière là-haut. Avec des gens qui crient. Descendez. Oui. On arrive. J'ai un sens, la fumée me prend dans la bouche et dans le nez. Vous manifestez aux fenêtres. Je suis au cinquième, j'ai pas envie de bouger. On va venir vous chercher là, on est arrivé là. Sortez. Alors le départ sonne pour le feu rue Erlanger, je suis chez moi. J'attends tranquillement, je me suis couché il n'y a pas longtemps et je venais d'entendre le premier secours décalé juste avant. J'ai aucune information particulière dans le sens où j'entends pas un bruit dans la caserne. Généralement quand ça sonne départ normal, j'entends le PS bouger, j'entends les gars sortir des pioles et tout, puisqu'il est déjà minuit passé. Et là, du coup, j'ai pas un bruit. On est décalé pour un feu de poubelle une petite demi-heure avant, et on était en train de reconditionner l'engin pompe. On faisait le plein de la citerne en eau, et on était prêt à repartir en intervention. J'étais retour d'intervention au standard de la caserne en train de faire mon rapport d'intervention autour du feu de poubelle quand le DN a sonné. On a très peu d'informations sur ce qui va se passer et en aucun cas on s'est imaginé ce qui allait se passer, ce qui allait se produire. Il est minuit et demi, les gens sont chez eux, c'est sûr. Le sinistre peut être découvert un peu plus tardivement parce que les gens dorment et tout ça. Et je m'attends, oui, peut-être, s'il y a vraiment un feu, à avoir du monde, en tout cas dans l'immeuble. Alors en arrivant sur les lieux d'intervention, il ne se passe pas grand-chose dans la rue. C'est vraiment, y a vraiment un grand silence, il n'y a pas de circulation. Donc on arrive à s'engager normalement dans une rue alors qu'elle est en sens unique. On n'a aucune visibilité sur ce qui se passe, d'accord ? Parce que c'est un immeuble, le 17 bis, qui est dans une courette intérieure. Donc moi, quand je me présente dans cette rue, j'ai très peu de personnes qui nous accueillent, finalement, dans la rue. C'est très calme, j'ai pas de bruit, j'ai pas d'odeur. J'ai pas de flamme, rien n'est perceptible. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas... Rien ne laisse présager ce que je vais découvrir plus tard. Je pénètre donc pour accéder au bâtiment concerné. Il faut passer par un couloir du premier bâtiment qui donne sur rue. On passe dans ce couloir qui fait une vingtaine de mètres, étroit, exigu. Et quand on sort de ce couloir, on arrive dans la courette intérieure face au bâtiment concerné. J'entends d'abord les cris. Et ensuite, en levant la tête, je vois voilà, l'immeuble qui est complètement embrasé et totalement enfumé avec tous ces gens qui appellent à l'aide. Sous l'emprise des fumées, très noires, très vivaces, qui demandent qu'à s'enflammer, et avec énormément de personnes aux fenêtres, phénomène de panique générale. Et là, on est projeté tout de suite dans un chaos parce qu'on voit en fait un bâtiment qui est totalement en fumée, avec des fumées sous pression qui sortent du deuxième au septième étage. Et là, moi, je vois une première dame qui est au quatrième étage et qui est déjà sur un rebord de fenêtre, totalement poussée par les fumées et qui me crie « Au secours, venez vite, je vais sauter ». Quand je suis devant, je me dis que c'est pas un feu classique, c'est pas un petit feu, c'est pas juste un feu d'appartement. Moi, mon rôle à ce moment-là, c'est d'analyser la situation rapidement, d'anticiper sur les possibles évolutions et du coup de demander tous les moyens qui vont être nécessaires à résoudre ce sinistre et à pallier à tous ces sauvetages et en même temps à éteindre le feu.
Ma première demande, c'est un renfort habitation, voilà, qui va me permettre d'avoir des moyens humains très rapidement, en fait, pour déjà effectuer tous ces sauvetages. Parce qu'on en a en façade déjà une bonne quinzaine. Quoi. Sincèrement, ça va très vite. Je pourrais pas vous dire dans quel état j'étais exactement, mais je sais qu'il y avait une adrénaline qui était vraiment importante. Et tout s'est enchaîné naturellement, quoi, comme si les gestes étaient répétés. Et tout s'est enchaîné tout seul. Effectivement, quand je lance ma mission de réaliser les premiers sauvetages sur cette façade, je comprends tout de suite que ça va être très difficile, très périlleux, et justement, j'ai pas de garde-corps. Quand mon chef d'équipe arrive avec son échelle à côté de moi, d'accord, on se part mutuellement, et là, c'est là qu'on priorise en disant, c'est telle personne à tel étage, c'est parti, c'est celle-là que tu me descends en priorité parce que c'est la plus imminente. Et juste avant qu'il monte, je le chope par le bras et je lui dis, ce qui a été difficile pour moi aussi, c'est d'envoyer au charbon, quoi, hein, clairement. À droite, éteins la lumière, allez, éteins la lumière là-haut. À ce moment-là, on attaque les missions de sauvetage. Et au moment où on relève la tête, à droite, à gauche, on voit qu'il y a des gens de partout. On se dit, bah, faut y aller, faut monter. Et en fait, on ne voit pas le danger, on ne voit pas le risque que l'on prend pour aller sauver les personnes. On monte, on les sauve, on redescend, on monte, on les sauve, on redescend, et on fait ça tout pendant 2 heures. Ce qui a été difficile, c'est clairement, j'ai clairement conscience qu'à tout moment, lui peut tomber. Je le connais, c'est un copain. On a le même âge. C'est un père de famille. Je connais sa femme. C'est pour ça que je parle de confiance au début. Et c'est dur de commenter à ce moment-là et de se dire, OK, bah, copain, je t'envoie. J'ai confiance en toi. Et je compte sur toi. Je l'attrape par l'épaule. Je lui dis, t'as pas intérêt à tomber. On est sur une courette, en fait, où les rebords de fenêtres ne sont pas équipés ni de garde-corps ni de rambarnes. On est directement sur des rebords de fenêtres en béton et les griffes de l'échelle à crochet tiennent pas forcément. Et lors de l'ascension, avec le mouvement et la descente de la victime, j'ai mon échelle à crochet qui a commencé à glisser et donc qui s'est arrêté à quelques centimètres du rebord de la fenêtre. Donc c'est le seul moment où j'ai vraiment eu peur de tomber avec la victime. Moi, je me souviens d'une victime que j'ai mouillé une espèce de veste dans une salle de bain pour pouvoir lui mettre sur le dos car elle était en débardeur. Je lui ai mis ma cagoule de fuite. Je l'ai mis sur mon dos puis j'ai descendu par la cage d'escalier principale. Toutes les victimes que j'ai faites, elles étaient pas en train de réfléchir. Elles faisaient ce qu'on leur disait. Dans tous les cas, elles savaient très bien qu'elles n'avaient pas le choix. Il y a quelques victimes qui étaient soit dans le coma, soit inconscientes. Et donc là, dans tous les cas, l'action était immédiate, hein, sur le dos et puis on descendait. Le fait que l'immeuble soit enclavé derrière un autre bâtiment ralentit forcément les sauvetages parce qu'on n'a pas d'échelle aérienne qui monte directement au 10e étage, 5e étage et que l'on peut pas balayer toute la façade. On pouvait aller de fenêtre en fenêtre que verticalement. Ce que sauve opérer, c'est pas, il n'y a pas que sur incendie en fait. On voit tous les jours. Mais effectivement, cette intervention. Oui, moi je l'ai vu en fait. J'ai vu les gars prendre des risques. Mais ils les ont pris sans se poser de questions, quoi. Ils y sont allés. C'est vrai que je les ai vus grimper avec plusieurs sous-officiers et officiers sur un terre. On s'est dit, mais c'est quoi ces araignées, quoi. Ce qui m'a permis d'affronter cette épreuve, c'était en fait de voir le courage des gens. Je me suis dit, si les gens ont ce courage-là, moi je ne peux pas rester en bas. Donc on va les chercher, on fait tout ce qu'il faut. Quitte, comme la devise nous le dit, sauve Perrier, c'est notre métier, donc on doit y aller. Il ne s'agit pas d'être une tête brûlée et de se dire « je sauve, c'est très bien, et je péris, tant pis ». Non, il faut rester humain, on est humain et on n'est pas là pour périr pour autant. On est là pour faire le job, c'est de sauver des personnes, effectivement en mettant en péril notre vie,
en essayant d'être mesuré, et l'entraînement est là pour ça, d'avoir cette limite, je pense, ce curseur, et de se dire effectivement, il y a du sauvetage, il y a des risques, on peut périr. Ce soir-là, clairement, la devise, elle a pris tout son sens. Quand vous avez X personnel qui grimpe sur cette façade sans garde-corps, d'étage en étage, avec une échelle qui fait 9 kilos, qui la prend sur un rebord de fenêtre qui fait 20 cm, avec l'équipement, qui peut basculer à tout moment, qui doit se pencher pour récupérer son échelle qui est sur la corniche, pour la hisser qui fait 9 kilos, la hisser à l'étage supérieur, rebasculer dans le vide, aller chercher une personne, faire descendre cette personne qui, elle, est paniquée, qui n'est jamais descendue sur cette échelle, cette échelle repose sur des griffes, qui n'est pas maintenue, qui peut glisser, que clairement cette personne paniquée peut faire un faux mouvement et entraîner tout le monde dans la chute. Donc oui, c'est périlleux, et effectivement, oui, cette devise, ce soir-là, prend tout son sens. Alors la première fois que je quitte cette courette, parce qu'en fait, j'y suis resté de minuit 47, en gros, quand j'arrive, à 7h du matin. Quand je sors dans la rue à 7h, je sais pas où sont mes gars. Et finalement, on se retrouve tranquillement devant et on se regarde tous et on est content de tous se voir parce que pendant un moment on s'était pas vu beaucoup, on se posait des questions et on nous dit bah c'est bon, vous êtes libérés. Un renfort habitation ça amène beaucoup d'engins, voilà, mais nous dans la courette on a vu que des hommes et finalement on voit l'ampleur de ce que ça a dégagé une fois dans la rue, voilà, l'ampleur de tous ces engins avec la rue est bondée. Et ensuite, on nous propose de nous ramener en camionnette, on rentre ici, on se dit dur. On a petit déjeuné ensemble et là, on a commencé un peu à parler ensemble. Voilà, qu'est-ce que t'as fait toi? Tu te souviens, machin. Mais c'était très compliqué dans le sens où on n'avait pas tous les souvenirs, on n'avait pas de souvenirs encore, voilà, de ce qu'on venait de vivre. C'est une intervention qui a duré 7 heures. On a eu pendant 7 heures la tête dans le guidon. On ne s'est pas du tout rendu compte de l'ampleur que ça a pris. Médiatique, que la brigade a dû employer énormément de moyens sur cette intervention, et ça, on s'en rend compte que justement quand on retourne à l'engin et qu'enfin on se déséquipe et qu'on se regarde entre nous et qu'on regarde autour l'ampleur que ça a pris. Même si on est déjà à plus de 9 heures d'intervention, on arrive toujours pas à réaliser ce qui s'est passé, ce qu'on a effectué, et on a des petits flashs qui arrivent de tous les côtés. Et là, il arrive un moment où on se prend tous dans les bras et on se dit qu'on est tous revenus indemnes de cette intervention. Quand on est rentré à la caserne, il y a tous mes collègues qui nous attendaient sur le parvis de la caserne. C'est un moment qu'on attendait vraiment, retrouver ses amis. Et c'est vraiment un sentiment de, on va pas dire de bonheur, mais vraiment de soulagement. On est rentré à la caserne et c'est ça qui est le principal. Alors maintenant, quand on me parle de la rue Erlanger, c'est vrai que pour moi, ça reste une intervention personnelle importante, très marquante de ma vie. Après, j'ai aussi je sais aussi que c'est marquant pour l'histoire de la brigade. Donc de ce côté-là, de cet aspect-là, c'est une grande fierté d'avoir pu y participer. Voilà. Après, c'est vrai que plus personnellement, c'est encore très dur. Ça fait un an et pour autant, le fait d'en parler, c'est toujours aussi difficile. On est fiers d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes, d'avoir fait ce qu'on a pu, d'avoir risqué notre vie, clairement, tous ce soir-là, mis notre vie en péril pour celle des autres. On passe par plusieurs phases, donc on a une grosse remise en question. Parce que finalement, après l'intervention, il se passe tellement de choses. On a été sollicité, on nous a posé beaucoup de questions, il a fallu qu'on rende compte, il a fallu qu'on explique. Et qu'on est rentré à 6, que dans la totalité de mes personnels sont rentrés à côté de moi. D'accord. Et pour moi, en tout cas, personnellement, c'était une grande satisfaction. Et c'était aussi, durant cette intervention, une crainte que j'avais, l'esprit préoccupé de faire des sauvetages de ces victimes, qui n'attendent que nous. Mais de me dire, d'un côté, tu as l'esprit occupé, pourquoi? Parce que tu as quand même tes bonhommes qui sont à droite, à gauche, isolés, et qu'à tout moment, il peut aussi leur arriver quelque chose.
Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'à côté, il y a eu 10 décédés et qu'il y a toujours eu, pas un sentiment, je veux dire un sentiment de culpabilité, non, mais de se dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu? Est-ce qu'on n'aurait pas pu aller chercher telle personne, si j'avais su? On y repense de temps en temps, pas régulièrement, parce qu'il faut aussi reprendre le dessus et refaire nos journées, se repréparer à toute intervention. Mais c'est une intervention, oui, qu'on sera marqué à vie, ça c'est sûr. Alors si j'avais un mot à dire à tout le monde, finalement, pas qu'au petit gars d'Auteuil, ce serait merci d'être tous rentrés. Voilà, parce que c'est important. Il y a eu d'autres interventions où tout le monde n'est pas rentré. Et au moins sur celle-là, je me sens pas comme privilégié, mais j'ai cette chance-là.